Le gap il est énorme, même en standing, donc passer par-dessus la barrière, c'est hyper engagé. C'est plus engagé. J'ai jamais fait front de baragne à 27 mètres. Quoi? Mais même si je cours toute ma vie, je pense que je le passe même pas, le gars. Ça commence à me faire bien peur là, il le sent de plus en plus. Et je sais que quand il est dans cette phase là, bah il va y aller. Hein. C'est vraiment la fois où j'ai le plus peur pour quelqu'un. Ouais. 3, 2, 1, allez, mon bravo! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est hyper heureux avec Romain parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du Gainer Tour. Cette semaine de fêlée où il y a tous les boss du cliff jumping d'Europe, tous les meilleurs gars les plus chauds qui se réunissent une semaine. Il y a deux parties, il y a une partie France, une partie en Espagne. Nous, on va faire que la partie France, mais là, ça va envoyer du lourd. Hier, on est allé faire un peu de repérage et Romain, il a des sacrés projets. Romain, il a une idée de zinzin. Il y a quoi comme idée? De faire baragnote au-dessus de la barrière où Jérémy a fait le truc là. Non. Il veut courir. Il veut courir baragnote par-dessus. Mais il faut mettre un. Non, enfin, la barrière elle est ultra haute. Il veut sans rien. On est parti la checker hier. Et lui, il a dit sur ça passe. Mais il y a un gap de ouf. Bah, il veut le faire. Et en gros, s'il fait ça, c'est. Déjà, il a fait la plus grosse dinguerie à Essence Sac. Donc c'est le pont de Saint-Romain d'Issensac. Et là ça va être le saut du Sanglard. Il y a pas mal de conneries là qui sont prévues. Surtout en plus là, Gainer Tour, il y a tellement de monde, ça donne tellement envie de s'envoyer. Mais en fait moi c'est ça qui me fait peur avec le Gainer Tour, c'est la hype et à quel point les gens ils vont se pousser et se sangléner. Bah il y a sanglarner. C'est ce qu'on disait hier, il y a moyen que à la fin de la semaine Enzo il fasse un petit AVC je pense. Ouais. Un petit AVC de stress parce que là il a la pression de fou. Mais surtout, send dans ces conditions, enfin ça dépend des gens, tu vois, mais moi par exemple, je peux pas, s'il y a trop de gens là, comme ça, ouais, c'est un plaisir de voir tous les frérots, de voir la. Ça me fait plaisir parce que j'aurais bien fait des quads. j'aurais bien fait des petits quads, mais là avec tout le monde. Je te rec. Lui il fait tout le temps le con, et on croit qu'il est là juste pour faire le con, mais en soi, c'est un des meilleurs pilotes FPV que j'ai jamais rencontré. On va s'échauffer tranquillement sur un petit spot. En vrai, le spot il est incroyable, et juste après, on va aller au saut du Doubs, et franchement, c'est. Insane, j'avais jamais vu une cascade comme ça. Et c'est la première fois qu'on va cliff dans une cascade. Ça c'est un des plus beaux gosses du Gainer Tour. Bonjour, Brendan, enchanté, je vous serre la main. Non pas du tout, je n'ai pas de main. Ah si, c'est un serrage de main bien soigné. On vient d'arriver sur un spot que je ne connais pas, le rocher de l'écho. Je ne connais pas du tout les hauteurs, apparemment c'est entre 30 et 50 mètres. Bon, de hauteur plutôt sympathique. C'est combien de mètres la jus? Alors il y a un 14, okay. Et un 15,5. Julien Sio, un des boss du cliff jumping en France. Celui qu'on ne présente plus. Salut. Le créateur originel, Enzo Benezet. Ce qui est bien souvent, c'est quand tu te mets sur la plate, tu lèves les yeux et tu regardes le paysage et tu te dis, t'as la chance. Ouais. Allez, 3, 2, 1, send it. Send it. Olé. Tiens, tiens! Lounis, un des OG du Gainer Tour. OG Gainer Tour. Il a. J'ai ce privilège. Il a vraiment fait les 5 Gainer Tours. À chaque Gainer Tour, il y a perdu une bagnole. Et cette année, je l'ai perdu avant de venir. Ah, le malchanceux, quoi. Oh! Send it. Sans l'air. Oh, oh, c'est oh, 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 oh.
c'est au tour de Mathieu d'y aller. Faut quand même que le caméraman il aille sauter un coup là. Faut se rafraîchir. Ça va, t'es confiant quand même à sauter? Oui, ça va. C'est 14 là. 15. 15. 14, 15. En légende. 3, 2, 1. Blended. Il est chaud. Bien propre. Un bon flow le brûlard. Un gainer comme on l'aime. Ça reste le boss. Si on prend sa casquette, on peut faire ses gainers. C'est vrai. Salut, c'est Mathieu Brûlard. Oh, c'est Mathieu Brûlard. C'est toi le mec dans Civilisation? Oui, tout à fait. En fait, on a tourné le film en Asie. Okay. Et cela nous a pris quelques mois. Mais je peux vous dire que c'est une expérience magnifique. Allez voir le film sur Vimeo. Oui. Mais maintenant... Merci à tout le monde d'être venu. C'est... Merci à toi. Donc, le but du Gainer Tour, les gars, c'est vraiment un rassemblement, être tous ensemble. On partage notre passion. On n'est pas là pour se blesser, pour se mettre en danger. Les trucs qui vont être très importants, s'il vous plaît, en fait, ça va être toujours sauter avec des safety. Dans les situations où quelqu'un va faire un dive un peu dur, c'est bien de prendre un masque et plonger direct quand le frérot atterrit dans l'eau, parce que l'eau est très très sombre et des fois on voit rien du tout et c'est vraiment très compliqué de récupérer quelqu'un sous l'eau. Laisser le spot comme on l'a trouvé, pas laisser ses déchets, des bouteilles, des mégots de cigarettes, etc., etc. Vraiment, on est là pour aussi respecter les lieux, on n'est pas chez nous. Donc voilà, merci à tous. Passez un bon moment, amusez-vous bien. T'as Enzo, Enzo. Salut en chinois pour Lucas. On m'a pas présenté, Alex Benz. Alex Benz. Alex Benz, en vrai, c'est le frérot, il fait des vidéos en plus sur YouTube. Et franchement, c'est Cali ce qu'il fait. Donc, on vous met sa chaîne en description. En vrai, il régale. Alex Benz, il a la double casquette, il est sender, vidéaste. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et là, il est en train de faire un documentaire du Gainer Tour. On vous met sa chaîne, parce que c'est le boss. Je suis blessé en plus, je peux pas sauter. C'est vrai? Ouais, du coup, je me focus sur la vidéo aujourd'hui. Arrête, moi aussi, j'ai une chaîne YouTube, je fais des vidéos freestyle en gros. Fais ta promo. Je suis pas un mec de la promo. Vas-y. Moi, c'est... Pas besoin de parler, les gars. Moi, pas besoin de parler, le buzz il vient à moi. Mais pour l'instant, il est pas arrivé encore. Alors là, lecteur cassette. Il est équipé, hein, le camion. À l'ancienne. Mec, il nous régale, hein, Sylvain. Ah, c'est vite, ça. Plaisir, mec, c'est la belle vie. Il a même un vélo. Oh oui. Il a un vélo. Ok, bon, là, tout le monde s'est bien échauffé sur le premier spot. Et là, on va à la cascade. C'est l'autre spot d'aujourd'hui. Nous, on y va assez tôt pour être en avance. Romain, il a des petits projets. Et du coup, il va avoir besoin de temps pour se visualiser et tout. Là, on a une petite marche avant d'arriver à la cascade du Doubs. Et je voulais en profiter pour remercier Holo, la marque de chaussures qui nous suit et qui nous soutient à travers tous nos projets. Franchement, ça régale d'avoir une marque comme eux qui nous soutient, parce que c'est une marque de chaussures qu'on utilise depuis très longtemps. Et ça faisait un moment qu'on avait envie de faire un partenariat avec eux. Et puis les chaussures, elles sont juste parfaites, que ce soit pour faire du parcours, faire du cliff diving, ou même tout simplement pour la vie de tous les jours. C'est des baskets qui sont hyper confortables. Bon, et là, faut que je me dépêche, parce qu'il va falloir bien s'échauffer, parce que moi, j'ai un sacré projet. Et
Je sens que la pression elle commence déjà à monter alors que je suis même pas encore devant la cascade. Là surtout, c'est plus des sauts qui font entre 10 et 15. Non, non, là ça commence à être du sérieux. Je crois que ça commence à 20. Et il y a genre du 30 ou un truc comme ça. J'ai trop hâte d'aller voir. C'est la première fois qu'on va voir la cascade là. Ah ouais, l'immense cascade. Oh, ça va faire kiffer. J'avais jamais vu une cascade comme ça. Et c'est la première fois qu'on va cliff dans une cascade. Surtout que nous, on nous a toujours dit que quand tu sautes dans une cascade, vu qu'il y a un énorme débit d'eau et que ça crée genre une aération de l'eau, genre le fait qu'il y ait plein de bulles d'air et tout, et du coup l'impact il est beaucoup plus soft que quand tu sautes dans une eau toute lisse. Donc j'ai trop hâte de tester ça. Oh, il y a tellement de monde sur le saut, il y a peut-être une trentaine de personnes qui sont déjà sur le spot. Va falloir se frayer un chemin pour scène. Faut le populace. Il est là. Bonjour Wizigan. Ça va quoi? Ça va toi? Ça va toi? Ouais, je fais 19 ans. Ok, Archibald. L'année dernière, on était à Ibiza et il était en train de se chauffer pour la compète. 15 mètres. Et en fait, il a mélangé 3 et truie. Ça a fait ok, truie. Ok, truie. Et tout le monde était mort de rire. Je savais pas entre sur quoi partir, 3 ou 3. Il va falloir que je me prépare en vrai pas mal pour le run-up parce que j'ai la barrière à passer et j'ai un gap énorme à passer. Et surtout ça fait 27 mètres. J'ai jamais fait front de baragne à 27 mètres. Mais en vrai je le sens bien. Genre je sais pas pourquoi là je suis revenu, j'ai passé vite fait la barrière et je me suis dit ok c'est sûr que je le mange. Oh là 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 là, il y a une ambiance de tension là. Tout le monde est en train de se chauffer, tout le monde est en train de se déterre. Ça saute de tous les côtés. Chaque année il est là. Oh, c'est abusé en vrai. Il est tellement chaud. Romain lui dit tout à l'heure, alors t'es où? Bah il est bien là. Bah il est bien là, il représente bien la France en vrai. Celui-là putain. Oh, comme Gerardo. Énormément de sauts, il y a énormément de scènes, il y a des gars qui envoient du lourd, mais il y a un mec à respecter. Il y a un mec qui mérite énormément de respect. Boss. C'est le mec qui est là en safety depuis tout à l'heure avec sa combarde dans l'eau gelée et il est en train de tous les safety là. Et bah l'eau elle est froide les gars, elle est très très froide. Mais la hype elle est tellement énorme que ça passe en deux secondes. Là faut que je fasse le 24
Et après, ça part au 27. 3, 2, 1, scène. J'ai toujours la place de celui qui est à côté de Sanglard quand il va scène. Je suis là à claquer du fessier pour mon pote, putain. Mais je lui fais confiance parce que ces derniers temps, à chaque fois qu'il m'a dit je vais faire ça, je me dis oh là là, et il l'a fait. Et il l'a fait, et il assume après. Donc faut faire confiance à ses potes, hein, surtout quand on les connaît depuis des années comme ça. Lucien, c'est sketch ou quoi? Ouais, c'est enregistré. Le gap, il est énorme, même en standing, donc passer par-dessus la barrière, c'est hyper engagé. C'est plus engagé. Mais même si je cours toute ma vie, je pense que je le passe même pas, le gars. Ça fait peur? Ça fait peur, le vieux. Ça fait peur, mais ce qui me fait peur, c'est juste que ça fait 27 mètres. Le gap balayé. En fait, à partir du moment où j'ai passé la barrière, je passe le gap, c'est sûr et certain. De toute façon, mec, t'as vu comment je cours? En vrai, je vais courir méga vite. Et quand je vais plonger, je vais bien voir, genre, je vais être sûr de passer. Ça commence à me faire bien peur, là. Il le sent de plus en plus. Et je sais que quand il est dans cette phase-là, bah il va y aller hein. Et il va courir comme un âne. Et il va s'y mettre hein. Putain, tout le monde est en train de checker si c'est pas une connerie ou pas. Il y a Julien Flips qui est en train de baliser là, regarde. Regarde. Il y en a toujours un ou deux où je sais que j'ai pas la visu dessus, tu vois. Mentalement, je sais pas comment ça va se passer. Mentalement, je me dis bonne chance frérot, je sais pas comment tu vas t'en sortir. Mais voilà, et là c'est ce scène de là, c'est ce type de scène, tu vois. Après, bah il est chaud, mais bonne chance. Oh, ça y est, là, c'est le moment là. Tout le monde est en train de se placer. Il y a les safety qui vont descendre. Il y a Romain qui est de plus en plus concentré là, genre tu lui parles, il est dans sa bulle. Voilà, il va pas se jeter à la mort s'il le sent pas. C'est ça. Dans son cerveau, et c'est hyper clair depuis tout à l'heure. Il a fait une prépa 19. Une prépa 24, il m'a dit mais c'est bon, je claire le gap et je vais me débrouiller. Nous de notre côté on est carré sur la sécu, on fait tout ce qui, ouais, tout ce qu'il faut faire pour que ce soit le plus safe possible. Et que s'il atterrit mal dans l'eau, ben on soit là pour le récupérer, on va mettre deux personnes avec des palmes. On est en train de penser à plein de choses, avec Enzo on va ramener une serviette pour qu'il sèche les pieds, des trucs comme ça, des trucs auxquels t'as pas envie de penser quand t'es en train de visualiser ton tricks. Même jamais en fait, c'est vraiment la fois où j'ai le plus peur pour quelqu'un. Ouais. Il y a le drone FPV qui se met en place, il y a les safety qui vont bientôt aller dans l'eau, tout le monde est prêt, ça va bientôt partir. C'est Lyon, il tremble encore, regarde. Oh.
Oh putain. Oh il m'a fait. Oh mec, je suis trop fier de moi là. Oh t'es sérieux. Mec, ça s'est tellement bien passé. Mec, c'était nickel hein. Y'en a qui ont dit il a touché la barrière, il a touché la barrière. Mec, j'ai rien touché. Non non, il a pas touché la barrière. Putain gros. Maintenant je peux te faire confiance à la vie, les dingueries que tu me dis. Gros, si à chaque dinguerie. Pour dire sans sac, c'est son pont, sans du doute c'est son pont. C'est sa cascade. Je filme Romain. Ouais. Et genre, tu sais, genre je prends ses éclaboussures, pouf, perte de vidéo. Quoi? Genre, je voyais plus rien, mon masque éteint, noir. Non. Mec, du coup, je me dis, oh mec, je suis dans la merde, tu sais, je vois rien, je suis blackout, tu vois. Non. J'enlève le masque, et là, je ramène le drone, je vois le drone, il est genre au-dessus de la cascade, ça, et je le ramène à vue comme ça, genre. Non. Mec, j'ai ramené le drone à vue, mec, incroyable. Oh là là. Non. Wow. Non. Mais les yep. Les yep. Oh les yep. Wow. Mec, là, regarde, là, je prends la vidéo, là. Wow. On te voyait faire tes run-up, là, tes préparations d'élan. On flippait sa grand-mère. Il va tellement vite, le mec. Il est méga fast. Mec, on avait tellement peur d'en bas, gros. Mais mec. Wow, là, ça y est, la pression commence à redescendre, là. On est sur le chemin du retour. En vrai, c'était une dinguerie. Genre, franchement, j'ai eu le BPM qui est monté, mais tellement fort. Et genre, avec toute la hype et tout de tout le monde qui était juste en dessous. En vrai, c'était juste incroyable. Genre, quand je suis parti, quand j'ai tendu comme ça là, et que j'ai vu la plate genre s'allonger, j'ai vu tous les gens qui me regardaient. Genre, wow, j'avais l'impression que j'étais à Roland Garros, j'étais la balle. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode du Gainer Tour. On se dit à dimanche dans 2 semaines pour un deuxième épisode. Je suis en train de faire pipi, mais ciao. Pipi. Ciao. On se retrouve dans 2 semaines pour le 3e épisode du Gainer Tour, parce que le 2e épisode il sera disponible seulement sur Rejoindre. Donc les gars, abonnez-vous au Rejoindre, parce que en vrai le 2e jour ça va être la même chose. On va se jeter et franchement ça va être une dinguerie. Donc on se dit à dans 2 semaines sur YouTube et à dans 1 semaine sur Rejoindre. Ciao.